Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milimilou? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. On m'a demandé dans les commentaires si je pouvais réagir tout simplement au retour du Girls Coréen Weekly et un de leurs titres de leur dernier mini-album qui est sorti dernièrement. Et le titre se nomme Sweet Dream. Mais avant de blatter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Milimilou. Au roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire générique. Ce n'est pas un MV officiel mais plus une performance vidéo. Comme vous le savez, je suis devenue récemment mère, je suis hyper épuisée d'ailleurs. Mon fils a eu ses deuxièmes vaccins aujourd'hui, mais nous avons fait également le vaccin de la méningite et un autre vaccin pour éviter les gastro très, vous voyez. Donc là il est un petit peu patraque, c'est normal que mes vidéos ne sortent pas directement comme avant, etc. Je préfère encore le dire parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis une machine à réaction, que je n'ai pas une vie à côté. Voilà, ma priorité c'est mon fils, ma vie de femme, hein, et YouTube ça passe après. Donc je préfère le redire ici dans la vidéo. Si j'accède à certaines demandes, c'est que j'ai du temps et que j'ai envie de les faire, mais il y a des demandes que j'ai pas envie de spécialement les faire, et j'espère que la plupart de vous soyez compréhensives ou compréhensibles. Je suis tellement fatiguée que je sais même pas si ma phrase est constructive. Soit, c'est une performance vidéo, hâte de voir ça. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi je suis très fatiguée, nuit encore compliquée, et comme je vous l'ai dit ce matin à 8h30, on avait les vaccins de mon fils. Quand vous prenez votre petit bébé de 3 mois et qu'on lui fait des petites piqûres et tout, voilà quoi. Donc à surveiller, là il est calme pour le moment, mais bon, ça pourrait changer hein. Et j'espère qu'il ira bien et qu'il fera pas trop de poussées de fièvre et tout. Croisons les doigts. Allez, c'est parti, let's go donc pour Weekly et leur performance vidéo. Oui, j'ai une sale tronche, je n'ai pas eu le temps de me maquiller et j'avais pas envie de me maquiller aujourd'hui. En sachant, je sais pas comment mon fils va supporter ses vaccins aujourd'hui. J'aime beaucoup parce que la performance vidéo, on a vraiment une danse très modernisante. J'aime beaucoup. J'aime bien leur tenue aussi rose poudrée, très simple. J'aime bien les chorégraphies quand ils utilisent des accessoires là, notamment nous avons une chaise. Ils ont enfin des chaussures hyper confortables, parce que quand tu les vois parfois danser avec ces talons, tu te dis mais comment ils font? Ils ont pas mal aux pieds, ils ont pas d'ampoule. Mais bon, là, il n'y a que 4 membres. Hein. Toutes les membres ne sont pas là. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, des sortes de tressages dans leurs cheveux, c'est très joli. Alors, on a vraiment une chanson en deux temps, un peu comme des chansons de NMIX ou NCT, deux titres, mais en un. Ils ont mis des strass en fait sur leur raie. Très joli avec les petites pétales. Hmm.
Alors franchement, on a une très chouette performance vidéo. La chorégraphie m'a énormément plu et franchement très surprise de la chanson. Je n'avais pas encore écouté l'album, désolée. Hein. J'aime beaucoup parce qu'on a une chanson en deux temps, comme une sorte de mixte entre deux titres. Tu as ce côté vraiment très pop avec un tempo assez moyen. Et puis tu as vraiment ce tempo beaucoup plus rythmé au niveau de ce pré et refrain. On a ce côté complètement différent, limite même... un peu techno, EDM, j'ai l'impression, c'est tout le temps ce tout, 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 tout. Enfin, c'était assez sympa. Franchement, on va dire que c'est quand même un petit coup de cœur pour ce titre. C'est intéressant de voir juste 4 membres. Je trouve que cette performance vidéo et même cette chanson met vraiment en valeur leur vocaliste. J'aime beaucoup le fait qu'on monte une démonstration qui est dans l'ensemble assez fascinante des membres, que ce soit avec leur voix mais également leurs expressions artistiques et également leurs gestes qui sont assez fluides. On a une danse qui est assez moderne, qui est assez fluide dans la gestuelle, qui est un petit peu classique, comme si on avait mis des éléments de ballet. Enfin, voilà, je trouve que on montre vraiment leurs bonnes capacités vocaux à 4 membres, donc je trouve ça intéressant comme une sorte de sous-unité. Et oui, très bonne chorégraphie. Enfin, ils avaient des chaussures où ils étaient à l'aise, parce que quand tu les vois avec des grands talons, tu te dis comment ils y arrivent. Mais voilà, très très bonne performance et j'espère que tu as apprécié ma réaction. Si pas, je suis désolée, c'est juste que je suis très fatiguée aussi. Et vous, mes chers Ménuhulot, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement la performance vidéo qui illustre un des titres de leur dernier album. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara.